Salut, salut mes coucous du monde entier. Angèle Andela, c'est moi. Oui, je vais vous parler, je vais vous raconter, je vais vous insulter, je vais être vrai envers vous. Nous sommes des femmes. Nous sommes des mamans. Nous sommes des filles. L'homme est mauvais. Oh. L'homme est mauvais. Oh. L'homme est mauvais. Oh. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Hey, mais vous vous souvenez de la chanson? Voilà, après, a-t-il trempé les mains pour avoir le succès avec cette chanson? J'en sais rien. A-t-il travaillé naturellement comme moi? Moi, je travaille naturellement, hein. Je ne veux pas tremper les mains avec les... Plus jamais ça. Plus jamais ça. Ça, c'est sexy. Ça, c'est... L'homme est mauvais. Oh. L'homme est mauvais. Oh. Tu lui donnes à manger. Et celui qui vient prendre ta fille. Plus jamais ça. Tu lui donnes à boire. Oh. Plus jamais... Oui. Je m'appelle Angèle Andela. J'ai bien mangé, j'ai bien vécu, j'ai fait ma soirée toute seule. Vous avez des hommes qui viennent vers nous, les femmes, qui pensent que, ils peuvent être à la hauteur. Voilà. Je vais vous... Les hommes qui me fuient. Moi, je suis. Mais comment... Moi, voici celle dans mon coin, non? Mais comment voici celle-là mon coin, non? L'homme que tu nous présentes en public, il est où? Les musiciens, venez copier le son ici. J'invite tout le monde ici. Venez, les musiciens, écoutez, venez ici. Je vais vous donner le son. J'invite tout le monde ici. J'ai l'inspiration. Bip pas tout le monde, je vais donner le nom du titre. Je vais donner le titre de la chanson. Je vais aussi donner le nom de la chanson. Intitulé Les hommes qui nous abandonnent. L'homme que tu nous présentes dehors, il est où? Invitez les musiciennes. Invitez les musiciens, venez copier le son. L'homme que tu nous présentes dehors, il est où? Il est où? Moi, voici sur le lit seul, non? Tu m'as dit c'est ton gars, tu m'as dit c'est ton boy, tu m'as dit c'est ton monnaie. Il est où? Paye ta facture, paye ta facture, paye ta facture. Moi, je ne paye pas. Je vais payer, je vais payer, je vais payer, mais avec mes lolos. Avec mes mandjandja, on s'en fout! Je vais vous payer, je vais vous payer, je vais vous donner l'argent, donner l'argent. Maman, le son là va donner. Le son là va donner, mes coucous, venez ici. Vous me prenez pour qui?
Le goût de ça. J'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Jamais je vais pleurer l'argent. Tant qu'il y en a dans mon porte-monnaie, mes coucous. Tant qu'il y en a dans mon... Je pleure l'argent, moi. Je ne suis pas une pleureuse d'argent. Hein. Maman. Tellement j'ai payé, payé, qu'il y en a encore. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai dit, j'ai encore ça. J'ai encore ça. Maman, le goût de ça. Bikoutsi, Bikoutsi, viens copier mon son, Bikoutsi. Makamayon, Makamayon, là, je demande à toutes et à tous les Bikutsi women de venir copier le son, si oh. Tu vas me choquer jusqu'au matin. Je t'ai payé jusqu'au dernier mon souffle. Tu as payé. J'ai payé. Nous avons payé. Ils vont payer. La fois, 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 voilà, vous avez des pays, des villages où... Mettez les étoiles si vous voulez parler en direct. Salut, salut, mes coucous. Si vous voulez appeler, mettez les étoiles. Voilà. Mettez les étoiles si vous voulez parler. Si vous voulez parler, vous mettez les étoiles. Si vous voulez appeler en direct, vous, il faut mettre les étoiles. Mettez les étoiles si vous voulez parler. Mettez-moi les étoiles. Alors, si, c'est l'argent qui compte. Ce sont les étoiles qui parlent. Mettez les étoiles, s'il vous plaît. Tu vas appeler? Tu vas appeler, mon petit? Mon petit, tu vas appeler? Mets les étoiles. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que vous comptez faire pour moi. Mais moi, je sais ce que je compte faire pour vous. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Mets les étoiles, on va rouler. On va rouler notre départ en ligne. Tu mets les étoiles, non? Vous avez suivi le début de la chanson, non? Il est où? Il est où? Me voici seul. Me voici seul. Si c'est pour l'argent, j'en ai. Bon, bref. Bref, je ne suis pas venue sur Facebook pour parler de ça. Je suis là pour vous dire que tout va bien. Je m'appelle Angèle Andela, je suis une star, d'accord? Je resterai toujours une star, je serai toujours une star et je m'en moque de ceux qui veulent appeler et de celles qui veulent appeler. Tu vas appeler ici pour dire quoi? Oui, mais là, tu vas appeler ici pour dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu mettez les étoiles là-bas. Mettez les étoiles. Moi. Si c'est le Lolo, j'en ai. Si c'est le Bocho, j'en ai. Un peu de un peu de plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais... Mettez les vraies étoiles. Je veux les vraies étoiles.
Sortez les cartes bleues. Est-ce que vous avez les cartes bleues chez vous? Vous avez les cartes bleues chez vous? Est-ce que vous avez les cartes bleues chez vous? Vous n'avez pas les cartes bleues. Ma page, c'est une page de vraies personnes qui travaillent. Moi, je mange mon argent, hein. Je mange mon argent. Après, je peux vous faire vivre ma vie, hein. Mon life, là. D'ici à là-bas. Je peux vous faire vivre ça, mais mon but n'est pas de vous effrayer. Mon but n'est pas de vous, de me vanter. Je suis venue à Facebook par chance. Je suis venue à Facebook par chance. Je suis venue à Facebook par amour. Je suis venue à Facebook par gentillesse. Je ne suis pas venue à Facebook épater, montrer, faire, dire. Il y a des personnes qui veulent nous montrer, qui veulent nous pousser à le faire. Je ne suis pas là pour ça. Quand vous voulez même faire ça, mais coucou, il faut bien regarder le visage des personnes. Pourquoi tu veux pousser une maman, une voilà, à faire ce que toi tu ne. Non, allez travailler, vous les hommes. Allez travailler. Laissez les mamans tranquilles, laissez les filles tranquilles. Vous avez compris? Vous avez compris? Moi, les hommes, les hommes, les hommes. Les hommes. Moi, je gère les hommes. Aujourd'hui, je vais vous montrer Pierre. Demain, je vais vous montrer Jacques. Tu crois qu'avec tout ce que les hommes ont fait, je vais encore m'attacher à un homme? Jamais. Je ne pourrai plus m'attacher à un homme. Pourquoi je vais m'attacher à un homme? Pourquoi? Les hommes sont les enfants. Dès que tu écartes les cuisses comme ça à un homme. Mais coucou! Dès que tu lui écartes les cuisses comme ça. Il devient obéissant. Mais il n'a pas les moyens pour te donner ce que tu veux. Il est obéissant parce qu'il habite chez toi. Il est obéissant parce que c'est toi qui le nourris. Il est obéissant parce que c'est toi qui parle de lui en dehors de toi, qui le connaît. Mais comme c'est un homme, il est orgueilleux. Comme c'est un homme, il est orgueilleux. Il va faire tout et tout et tout et tout et tout pour te dominer. Et comme il y a les hommes derrière toi, derrière lui, il va commencer à dire, mais moi, mais coucou moi, j'entre plus dans ces détails-là. Les hommes qui veulent jouer les hommes devant les femmes, sachez que hein, vous êtes nuisibles. Mais il me bim beaucoup. Il aime bien coup, mais ouais. Va s'asseoir. On va s'asseoir un peu ici. On va parler vrai, 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 vrai. On va parler de tout ce qui ne va pas. Parler de tout ce qui ne va pas. Moi, je ne suis pas venue à Facebook pour lire vos sales commentaires. Vous avez compris? Vos sales commentaires. Vos commentaires minables. C'est pas ça qui me nourrit, hein. Je vous rappelle que je travaille. Je vous rappelle que je suis une star. Donc, vous qui me regardez, vous qui me regardez là, vous êtes bite, et me beaucoup devant moi. Je ne suis pas venue à Facebook pour vous regarder.
Ni vos commentaires, ni écoutez vos pleurs. Vous avez compris? Aidons-nous vivants. Faisons ce que nous avions à faire vivant. Arrêtez de copier les gens. Arrêtez de vouloir faire comme ceux qui veulent faire comme vous voulez faire là. Kornga mammis, kornga mammis. Mi ni boza. Ah? Mi wè. Bon java. Ah? Vous avez compris? Ici, personne ne peut parler fort quand j'ai parlé. Je dis merde aux choses qui... Je dis merde aux choses qui sont ici sur ma page, assises sur ma page, à copier ce que je veux faire, à dire ce que je veux dire, et ne pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Vous êtes beaucoup, moi bientôt, voilà mes coucous, donc moi bientôt, on va se séparer. Vous avez compris? On va se séparer. Vous me servez à quoi ici? Vous me servez à quoi ici? Il faut servir à quelque chose. Servir à quelque chose. Parce que bientôt, ici, vous n'allez plus me voir ici. Je ne suis pas miette, hein? Je ne suis pas miette. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas ces Européens qui cherchent les Africains pour être leur chose. Je ne suis pas ces Africains qui cherchent les Européens pour être leur chose. J'en fais pas partie de ce monde-là. Je suis une personne vraie. Je ne veux pas que vous dites que ouh, elle veut les papiers. J'ai pas besoin de papier. Je ne veux pas que vous dites que des papes, elle fume la drogue. Oui, moi j'ai dépassé l'âge pour qu'on me traite de ce nom-là. Vous venez ici chercher quelque chose sur ma page. Vous, les Européennes, les Africains, vous venez ici pour chercher quelque chose. C'est pour ça que c'est toujours vous. Oui, mais coucou, vous venez chercher quoi sur ma page? Jamais je vais vous donner la drogue. Je ne fume. Oui, vous venez ici chercher quoi? Vous venez ici chercher quoi? Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Vous venez. Ah, quand j'allume mon direct, vous êtes là. Je dors, vous êtes là. Je mange, vous êtes là. Vous voulez quoi? Vous voulez dire que vous me supportez plus que les supporters? Vous voulez dire que vous m'aimez plus que le monde entier? J'ai une sorcellerie, mais coucou, moi, mon grand-père m'a mis la sorcellerie ici, regardez. Vous voyez, non? Il m'a ici. Personne ne peut prendre mes chances. Personne ne peut devenir comme moi. Personne ne peut faire comme moi. Vous venez ici, vous avez besoin de repères. De repères, vous avez besoin de tout ce qu'il faut. Dans le monde, hein? Et vous venez vous accrocher sur ma page, d'accord? Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. J'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de moi. Certes, certes. Vous venez chercher quoi ici? Je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas une envieuse. Mais coucou, moi, je n'envie personne. Quand je veux faire, je fais. Quand je veux dire, je dis. Quand je veux préparer, je prépare. Quand je veux manger, je mange. Vous venez chercher quoi sur ma page? Vous venez chercher quoi sur ma page? Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? J'ai déjà fait ma vie. Moi, j'ai déjà fait ma vie. J'ai déjà fait ma vie. Mes enfants. On grandit. Mais, tout le monde. Vous venez chercher quoi ici? Vous venez chercher quoi derrière une maman? Vous venez chercher quoi derrière une folle? Vous venez chercher quoi derrière une départ?
Vous voulez chercher quoi derrière une fille qui est comme moi? Vous voulez chercher quoi réellement? Moi, quand vous cherchez ce que vous cherchez là, ma vie est 2 ans. Moi, quand vous cherchez ce que vous cherchez là, ma vie elle est 2 ans. Moi, quand vous voulez ce que vous voulez là, ma vie elle est 7 ans. Je ne dois pas de l'argent à Facebook. Je ne dois pas de l'argent à la banque. Je ne dois pas de l'argent à YouTube. Voilà parce que je suis une blogueuse. Nous, de temps, les blogueurs, on paye. On paye, on paye, on paye. Mais moi, j'ai tout payé. Je ne dois rien. Vous avez compris? Vous voulez épater qui? Vous voulez chosifier? Vous voulez me montrer quoi? C'est pas parce que vous vivez dans la région parisienne. Hein? C'est pas parce que vous vivez dans la région parisienne que vous pensez que comme vous avez bu et vous avez fumé dans votre coin et vous pouvez venir commenter n'importe quoi ici. Vous ne pouvez pas commenter n'importe quoi ici et supprime ça. Je supprime et je chie dessus. Vous êtes qui? Vous voulez quoi sur ma page? Je vous connais. Je fréquente les femmes qui n'ont pas de logement. Je ne fréquente pas les sales femmes. Je fréquente les vraies femmes. C'est toi qui n'as pas de logement. C'est toi qui ne paye rien. C'est toi qui es assise sur le canapé. C'est toi qui es déjà même toc toc. Tes égaux nettoient les bureaux. Tes égales nettoient les fesses aux personnes malades. Tu es assise sur le canapé, tu veux quoi? Tu fais quoi? Hein? En dehors de me critiquer, en dehors de me regarder, tu fais quoi? Moi, entre-temps, ma starmania est montée, 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 montée. Hein? En dehors de dire oui, elle a fumé, elle a bu. Et toi, tu fais quoi? Je vous connais, vous me connaissez. J'ai besoin de vous, non. Vous avez besoin de moi, oui. Vous avez besoin de moi. Hein? Vous avez besoin de moi. Moi, j'ai pas besoin de vous. J'amène les comme ça, comme ça, comme ça. Où? Qui vous donne même ce que vous buvez là? Hein? Qui vous donne ce que vous mangez? Hein? Qui? Vous êtes là? Vous avez pris des petits crédits à la banque sur 30 ans pour avoir soi-disant un confort. Soi-disant un confort. Hein? Vous avez pris un petit crédit à la banque. Soi-disant un confort. Où vous ne voyez plus vos enfants, vos petits-enfants, vos mères, vos pères, vos collègues, vos amis. C'est ça la vie? Oh, je suis dans un endroit, je suis dans un appartement luxueux. Je m'appelle. Je m'appelle. Moi, il crache dessus. Mouf! Mouf! Hein? Ma chaise roulante, relaxante, ma porte mouf! Rien, ça n'apporte rien du tout. Vos chaises roulantes, vos machins. Oh, c'est rien du tout. Vous êtes que des légumes. Vous mangez là, vous chiez là, vous dormez là. Quand vous avez même d'ail, qui saura que vous êtes là? Personne. Parce que vous avez tellement, vous êtes tellement dit, ah, je suis dans le confort. Il n'y a personne qui me dérange. Je suis au lit seul. Mon lit clic là. Le matin, il fait clic. Le soir, il fait clac. Et tout le monde est dehors. C'est moi. Mais non, c'est
ça la vie? C'est pas ça la vie? Mon canapé, il a coûté 10 000 euros. Le confort, le confort, le confort. Le confort, il est là. Le confort, il est là. Je me relaxe. Je me relaxe. Non, le confort, c'est quand moi, pour moi, mais coucou, pour moi, le confort, c'est quand tu n'as rien et tu n'es rien et tu n'apportes rien. Et tu te contentes de ce qui est autour. Pour moi, le confort, c'est quand tu n'as rien. Tu n'es rien et tu te contentes de ce qui est tout autour de ton environnement. C'est ça le confort. C'est ça être agréable. C'est ça être vrai. C'est ça être une personne. À partir du moment que tu ne veux pas amener ce que tu as et que tu ne veux pas... Tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es rien. Aïe. Elle fait quoi? Elle mange quoi? Elle boit quoi? Elle pisse quoi? Elle chie quoi? Elle accouche quoi? C'est pas ça. 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 Elle fait quoi? Elle danse. Elle fait quoi? Elle chante. Elle fait quoi? Elle pleure. Elle fait quoi? Elle chie. Elle fait quoi? Elle fait pipi. Elle fait quoi? Elle travaille. Chier, pipi, danse, tout ça, ça fait partie d'un travail. Ça va, ma coucou? Ma coucou, pourquoi tu ne dors pas? Je vais commencer mon boulot à 2 h du matin, là. Ma coucou, tu as bu quoi ce soir? Pourquoi tu es comme ça? Il faut boire pour être comme ça? Mais bien sûr! Donc, pour le... vous, donc vous quand vous... Tu ne veux que parler des pipi et des caca, pourquoi? Donc, quand on parle de ça, ça veut dire qu'on a bu. Tu as bu quoi? Rien du tout. C'est pas ça. Fumé? Je fume. Moi, je ne fume pas. Oh, coucou, il t'avait déjà vu au manque, tu fumais. Tu te trompes, c'est pas moi. Ton VIP est où? Il est où le VIP? Le VIP est où? Mais j'ai pas de VIP. Mais vous étiez au restaurant, non? Ma coucou! Quoi? Autre jour, tu as filmé ta main et sa main, non? De qui? De ton chéri. Quand? Comment? Tu as filmé sa main et ta main. Pourtant, tu avais dit que tu vas les chasser.
Et tu as fumé ce soir quand vous étiez au restaurant? Moi, au Eh, calme, hein. mon coucou, coucou, eh! Bongat, la bongat! Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que ce que tu fais est bien, mon coco? L'autre jour, tu as dit que tu vas botter ses fesses. Il va partir. Maintenant, tu filmes encore ses doigts. Mon coco, ses doigts-là sont... Ces doigts-là sont dangereux. Hein? Tu filmes encore, tu mets. Tu mets sur Facebook. Coco ne boit plus. Toi, tu bois. Moi, je bois, mais un peu. Moi, tu as beaucoup bu. Vous regardez la bête. Attendez, je vais vous filmer la maison. Tu vois. Ah. Mais. Je vais filmer. Vous voyez la colle, c'est. Maman. Coco. Non. Tu vois quelque chose. Tu vois la boisson aussi. Ma... Coco, tu bois trop le moscato. Tu bois trop le moscato. Même tu ne bois pas. Tu moi, je bois. Je bois qu'un peu. Il n'est pas. Ma coco, tout à l'heure, tu nous as lavé. Hein? Et pourtant, nous sommes tes supporters. Oui, tu as dit quoi? Tu as dit que tu nous chasses, nous on vient toujours. Est-ce que c'est bien? Mais coucou, tu fais quoi comme ça? Tu es comme ça? Hein? Non, non, mais je comprends pas. Mais coucou, qui t'a livré aujourd'hui? C'est toi, non? La personne t'a livré le mauvais. Parce que ça te dérange un peu trop. Mais tu ne vois pas comment mon gars m'a chassé. J'ai moi dit que c'est pour ça. Il t'a chassé pourquoi? Je sais, il dit rien, il est parti. Mais vous étiez au restaurant. Qui l'a invité, c'est toi? On était où? Au restaurant. Tu as filmé, tu as mis sur Facebook. Ah. Mais coucou, ce que tu fais là, hein? Tu as filmé ce soir avec ce manque pourri là. Moi? Oui. Tu as filmé ce gros doigt là. Ce doigt là, mon coco. Il ne peut pas faire ça. Tu manges? Mais coco, il est où alors? Il est où? Mais tu l'as mis où? Mais je maman. Je vais te chercher un gars français. Ouais, va là-bas. Tu ne peux pas. Mais coco, tu ne veux plus le français. L'ancien s'appelait Rouleau. L'autre aussi doit s'appeler Bobine. Mais coucou, vous savez. Vous savez. Mais coucou, vous savez. Mais coucou, l'ancien s'appelait comment? J'en sais rien, moi. Il s'appelait Monsieur Rouleau. Avant, mais tu t'appelais. Tu t'appelais Angèle Rouleau. Maintenant, tu vas t'appeler Angèle Bobine. Mais coucou, vous savez, oui. Ah, l'histoire me revient en tête. J'ai publié une photo tout à l'heure où j'étais dans un restaurant avec un gars. Que c'était ton VIP. Laisse-moi parler. Tais-toi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je. Mon
C'était bien. Dans Mais coucou. Et moi, je m'enjoye. Quand je veux enjoy, j'enjoye. Il n'y a pas que c'est toi qui m'amène ou c'est toi qui m'amène. C'est toujours moi qui enjoy et c'est moi qui paye. Vous comprenez, non? Et j'arrive là-bas, on me dit la facture est de 160 euros. C'est genre. C'est comme ça. La suite s'est passée comment? La suite, c'est parce que quand on a mangé, on a mis la musique. Moi, je suis allée demander au DJ de mettre le coupé décalé. Le DJ a mis la musique. Et puis, quand je danse, je vois une fille qui colle mon gars. Mais coucou. Tu vois? Ce n'était pas la boîte de nuit, ma coucou. C'était le restaurant. Mais. C'était les petits endroits qu'on vend, comment on appelle encore ça? Le kebab. À quel moment on a collé ton gars? Quand j'ai demandé à mon gars que je danse, il m'a dit oui, il m'a dit danse un peu là-bas, il y a un petit espace. Et la facture a fait combien au total? 160 euros. Et mon gars dit. Donc, monsieur, je ne peux pas donner la carte d'argent là. Ah. Ah, j'ai payé, maman, tu sais que moi j'aime bien. Espèce, espèce. Il y avait 5 biens de 100 euros et 6 biens de. Il y avait 5 biens de 20 euros et 6 biens de 60 euros. Remboursé combien? Il ne m'a pas remboursé, c'est moi qui lui ai donné 60, 6 euros pour boire. 66 66 euros pour pourboire. Non, 6 euros pour pourboire, 6 euros. Ah, coucou, si tu donnes les pourboires, ça veut dire que tu dois me rembourser mon argent de la voyance. Ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Mais oui, mais tu sais Donc, que moi, rembourse-moi voilà, moi, mon argent de la voyance. franchement, moi, je roule dans de l'argent, je n'ai jamais marqué. Moi, j'ai toujours 100, 200 euros dans ma Bon, poche. ma coucou, coucou, fais-moi la voyance maintenant. Non. Bon, montre ton visage, je te fais la voyance. Ma coco, tu connais déjà mon visage, ne te montre pas ça ici. Tu me connais déjà. Montre ton vrai visage, on fait la voyance. Fais avec mon nom. Ce n'est pas ton vrai nom ici. Je te donne mon vrai nom. Il m'appelle Mira. Non, Mira, tu mens. Je ne mens pas, ma coco ne fume plus le départ. Ce n'est pas bien. C'est toi qui fumes le départ. Tu fumes déjà trop le départ.
C'est toi qui fumes et tu viens m'emmerder ici. Montre-moi le visage, je te fais la voyance. Et je dois encore payer. Mais non, il n'y a pas besoin de payer, ma coucou. Coucou, tu sais que tu Montre me le dois. visage. Et c'est toujours Appelle en vidéo, on te fait la voyance ici. Si tu es sincère, si tu es encore pur, si tu es un homme vrai ou une qui femme t'a appris vraie, à faire la voyance? Qui t'a appris ça? tu es venu ici pour poser des questions ou tu es venu ici présenter J'ai besoin ta de maison. savoir, ma coucou. C'est mon grand-père. Ma Voilà. coucou, et t'avais appris ça comment, tu es sûr? Mais coucou, voilà, je vais vous dire que vous qui voulez de la voyance, vous qui voulez connaître la vie, connectez-vous, partagez mon direct, je vais faire la Ma coucou, voyance. tu continues avec cette histoire de voyance? Donne-moi une minute. Montre-toi, s'il te plaît. Coucou, il fait déjà noir ici. Ok, bon. Les bonnes Allez. voyantes font seulement avec Ok. Non, c'est parce que c'est pas ton vrai nom. Voilà. On va faire la voyance. Abracadabra. Minga il m'a pas mis de gens à imaginer prix il mais ouais bon maintenant voilà mettez les cœurs mes coucou parce que c'est très important ce que je me fais coucou mettez les cœurs parce que je n'ai jamais fait ça en direct à Facebook je vais le faire Pour Facebook la dernière fois, tu avais fait ça, non? ne parle plus on est parmi l'homme ici c'est la vie bon, Mathira. Bon, Mathira. Mais coucou, mettez les gars. Mettez les gars. Mettez, ouais. Mettez, ouais. Moi, pas moi, t'es Dieu. Anne-moi, prévu. Fais des dégâts. Tu es belle. On a moins belle, non? Bon, bien, reste tranquille. Essaye de te connaître. Je ne suis pas Dédéa. Père. Tu as mal vu ta voyance. Tu es Dédéa. On a moins belle. Arrête, tout cas. Bon, attends, bon, attends. Aider à mélanger avec le Douala. Mais le Tamina. Non. Allô, Zurié, ton bangala ne se lève plus, non? Bangala, bangala, bangala. On t'a fait ça au village. Les hommes. Tu pinais souvent avec les oncles et les cousines et les tantes, non? C'est toi qui pinais avec eux. C'est pour ça que ton bangala ne se lève plus. C'est toi qui pinais avec les oncles et les tantes. Ce n'est pas toi qui travailles à l'hôpital. Non, pas moi. Tu as déjà envoyé combien de conteneurs au pays sur moi?
10. C'est pas toi qui travailles souvent à l'hôpital, à la SNCF. Donc, Bangala ne se lève plus. Et tes enfants, les enfants que tu as là, les enfants que tu as là, ce ne sont pas tes enfants. Ouais, la femme là t'a menti. Ouais. Moi. Donc, ma coco, la femme là, elle a fait les enfants avec autrui, elle m'a dit que c'est pour moi, là. Oh, Angama que bombé, bon Marocain. C'est pour Sont ça que les enfants d'un Marocain. Oh, c'est ça. Donc, ce sont les métisses. Oui. Ma coco qui t'a livré ce soir. Toi qui t'as livré. J'achète pour moi de le bio. Un magasin, toi tu achètes pour toi ce qu'on fait C'est pour ça que tes enfants sont nés avec les enfants, les pères marocains. Ma coucou. foufou. Ta femme est partie parce que tu ne bidaillais pas bien. Toi-même, le VIP est parti parce que tu n'écartais pas bien. C'est pour ça Attends, que je le regarde. VIP est parti. Maman, attendez, oh, je regarde Parce ici. que tu n'as pas bien, tu préparais le ndolé avec le gombo dedans. Le sachet, c'est le VIP. Il faut Voilà. ta part de voyance aussi. Aniel. Il me disait que tu vas rencontrer une belle femme d'ici peu. Mais la femme là sera une déesse. On me dit aussi que tu vas rencontrer encore Ah quelqu'un non, moi, j'en veux plus. qui sera comme le VIP. Il sera toujours net comme le VIP, avec les mêmes doigts et les mêmes ongles. J'en veux plus. Mais il faut l'apprendre à laver ça. À qui? Apprendre au VIP à laver ses doigts. Ma coco, la femme prend soin de son homme. Pourquoi tu ne prends pas soin du VIP? Je le vois d'abord. Mais tu dors avec lui. Ma coco, tu le laisses même jusqu'à sucer sa langue. Même toi, tu as le cœur, ma coco. Tu l'embrasses souvent en live. Oui, mais ça, c'est mon monde de boulot. C'est mon Ce n'est pas monde. Ok. boulot. Comment ça peut être Ça veut dire quoi? Toi, demain tu es là, je t'embrasse. le boulot, Quoi? ma coco? Tu embrasses qui? Il n'embrasse pas les anciennes bouches. Ah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ne donne plus ta bouche au VIP. Il faut chercher un nouveau gars qui est propre, le bon Ah, mais bébé. Attends, dans le VIP, Maman. coucou, tu aimes les sujets de la sauvagerie comme ça? Ça t'a fait comment en bas là-bas quand j'ai parlé? Pourquoi tu trembles comme ça? Tu as agité? Non, ça mouille un peu. Ça mouille. Coco, Parles de ça, j'ai seulement envie d'enlever. coco. Coco, son truc est comment? Hey, ne me remets pas les temps. Son truc est comment? Bon, Entre tout, tu pleures. hey.
Le film commence à m'enlever tout ici. Hé, hey, coucou. Mais coucou. Quand Lolo, là, vous connaissez la tête, non? D'Imboma. Le gars là, chiche. Il chiche. Tu écartes les pieds comme ça, ma coco. Non. Personne qui t'a livré aujourd'hui ne te Pardon. livre plus. J'aime trop ça. Et toi, tu n'aimes pas? Pas beaucoup comme ça. Non. Alors, tu n'aimes pas beaucoup ce que tu m'as? Tête du truc a fait quoi? La tête du moment a fait quoi? Donc, quand il met un peu. Bon, mais coucou, vous savez, quand vous êtes une femme comme moi et que vous n'avez pas de mari et que vous avez alors un homme qui a son sexe est comme la tête du d'un marteau piqueur. Mais coucou. Ne te dis que ça a les deux oreilles là. Tu vois un peu ici, c'est large là. Et c'est bien noir, bien croustillant. Et puis alors le gars vient, il t'appuie un peu ici. Et puis c'est toi qui dis non. C'est pas ici, c'est là. Tu connais. Il connaît, mais il attend la permission de madame. Et la tête là fait comment? Ça tchouk, ça tchouk, ça tchouk, ça tchouk. Et puis, il revient et puis Coucou, c'est. tu as mis la main où comme ça? J'ai un homme dans ma vie. J'ai un homme dans Tu l'as chassé parce que tu ne connais pas faire. Si je le connais faire. Tu ne connais pas. Et Si je. pourquoi tu as dit qu'il est parti? Pourquoi? Ben parce que il veut de l'argent. Mais s'il veut de l'argent, tu le lui donnes. Mais j'ai donné à mon niveau, mais ça suffit pas, bébé. Ça Donc, tu suffit. donnes de l'argent aux hommes, coucou. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est comme si je donne à mon petit frère. C'est ton petit frère, en âge. Oui. 39 ans. Il a quel âge? Et toi-même, tu as quel âge? 48 ans. Ma coucou, pourquoi? Pourquoi tu Hein? prends un petit garçon comme ça? Quand il est venu vers moi, il avait l'air heureux, il avait l'air mu. Il m'a parlé, je l'ai cru, sauf que ça n'a plus marché après nos âges, après notre rencontre. Bon, bref, je vais pas entrer dans les détails, tu vois, non. Mais L'amour, il y a. pourtant tu vivais toujours avec lui. Oui. C'est après quand il m'a commencé, quand il m'a dit oui, nanani, nanana, kaka, j'ai dit, hou, c'est quoi? J'ai ramassé quoi comme ça dans l'avion? Oh Seigneur, oh secours! Voilà. Mais il était trop tard. Il était trop tard. J'avais déjà présenté à tout le monde. J'avais déjà dit que ceci, que cela. Hein? Mais coucou. C'est pour ça que soyez vrai dans tout ce que vous voulez faire. Vous comprenez, non?
Coucou, on t'a préparé quoi aujourd'hui? Oh bah, moi, je ne fais plus à manger, hein. Aujourd'hui, on est allé manger au restaurant. Je suis allée manger au restaurant avec mes enfants. Je suis revenue chez moi. J'ai mangé. J'achète moi maintenant. J'achète. Parce J'achète. que tu Oui, mais. as beaucoup d'argent. Oui, j'ai beaucoup d'argent parce que Meta Tu me paye. gagnes combien le mois? Moi, je gagne 2500 euros par mois. Par mois, j'ai Tu 2000. travailles où? Tu travailles où? J'ai ma société Iboncam. Je La voulais. société est basée où? En France? Dans quelle ville? À Nice. Coucou, pourquoi tu manges trop comme ça? J'ai ma société est bonne quand même. Comme ça veut dire quoi? Inbox. Je vais te dire ce qu'il veut dire inbox. Dis-moi ce que ça signifie. Ça veut dire je fais des massages, des massages relaxantes, détentes, VIP, et c'est à partir de 50 euros en montant des massages. Signification de Ibonkam, c'est quoi? Ibon, la baise. Ibon, donc, baise-moi, Cameroun. C'est ça, Ibonkam. Je sais pas. Voilà. Ibon, baise, Cameroun. Donc, baise au Cameroun. Voilà. Ou pour toi, tourne autour de la baise. Tu aimes trop ça. Mais elle s'est bien montée sur moi. Mais tu aimes trop ça. Tout à l'heure, j'ai parlé du moment de ton VIP. Tu allais écarter les pieds au lit jusqu'à mettre les mains dedans, soulever les pieds. Oui, parce que je suis en manque. Tu sais, le gars là, Tu n'es pas en manque, ma coucou. moi aussi, Elle fait même pas une semaine que tu as fait. ça fait 2 mois déjà. Dernièrement, le VIP était là, tu m'as dit que tu as fait ma coucouya. Oui, j'ai fait, mais je n'ai pas joué. J'ai fait, mais je n'ai pas joué. Quand il a senti que je veux déjà jouer, non. Ma coucou, je veux que. Oui, quand il a senti que tu as joué, tu as fait quoi? Quand il a senti que je veux déjà jouer. Ma coucou, il faut mettre le gars là dehors. Il ne te rend pas service et ne lui Viens alors m'aider, allons mettre plus ton argent. dehors. Non! Je t'avais dit que je viens avec les papiers poubelles. On met ses habits dedans, tu as refusé. Non! Même en inbox, quand je te dis, je viens, on le fout à la porte, tu fuis. On Non, n'achète pas l'amour, ma coucou, blague à part, mets-le dehors. non. Mets-le dehors. Tu gardes cet argent pour tes enfants. Wow. Ne lui donne plus. Ok. Tu Ouais, as mais. compris. Bon, viens Tu alors parler. pas écouter. Si, je vais écouter, mais je vais écouter les gens qui sont à Mais côté de moi. mets-le dehors. Quand je viens, on manque, tu fuis. Tu es une fuyeuse. Chasse-le, ne lui donne plus. Commence par ne plus donner ton argent, tu comprends? Ne lui donne plus ton argent, ce n'est pas bien. Tu as besoin de cet argent. Et si tu en as assez, tu épargnes ça. Tu vas acheter J'ai mes champs. les choses des enfants avec. J'ai mes champs au pays. Mais tu as tes chants, n'oublie pas que tu as les enfants ici. Même si tu n'es pas avec eux, mais quand ils vont Je suis grandir, tu vas avec les eux. donner. Je suis avec eux. Ils sont où? Là, dans les champs. Eh, ma coucou, pourquoi tu es comme ça? Parce que c'est Facebook qui nous oblige à être comme ça, mes coucous. Quand je viens avec mes enfants, on m'insulte. Quand je ne viens pas avec eux, on Ma m'insulte. coucou, Du coup,
Bon, d'accord, je sais que tous tes enfants ne sont pas avec toi, Oui. mais garde l'argent pour tes enfants. Les aînés sont partis, mais les tout petits sont là. Je ne peux plus les montrer. Parce que quand je montre, on dit, wow, elle est avec. Mais c'est normal, les enfants ont besoin d'une protection, ne les montre plus. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je ne les montre plus. Ils sont dans leur coin. Aujourd'hui, je les ai amenés dans leur truc où ils veulent. J'ai payé tout ce qu'il y a à payer. Ils ont mangé, on a bu, on a mangé. Chacun dans son coin. Je ne peux plus. Mais tu vois que tu as besoin de cet argent pour tes enfants. Ne donne Exactement. plus ça. Ne donne plus au gars qui a les doigts pourris là. Tu n'aimes pas entendre la vérité. Tu veux toujours dire. Quand il te parle du VIP, ça t'énerve. Tu veux toujours dire la vérité. Non, oui, Il faut botter ses fesses, tu le mets dehors. oui, Le bout de ses fesses là, tu le tires avec ses noyaux. Tu non, le mets dehors. non, oui, ok, Pourquoi non, tu oui, penses seulement l'anaconda? Tout à l'heure, j'ai parlé de son mama. ok, Tu as pissé sur toi. non, oui, ok. Chasse-le. Non. Il doit t'apporter quelque chose dans ta vie. Il ne t'apporte rien, tu le fous dehors. Mes frères ne m'apportent rien dans ma vie, mais je les aime. Ce sont tes frères, tu n'as pas le choix, on ne peut pas changer la famille. Mais lui, tu as le choix de le changer, madame. D'accord. Fous-le à la porte. D'accord, beaucoup. Tu dis toujours d'accord, mais demain il va venir, tu vas tout éclater. Tu vas tout éclater, chanter que bon gars, tu l'as, bon gars, tu l'as. Oh, coucou, oh, coucou. Prends Moi. soin de toi, ma coucou. Prends soin de toi. Quand on a les enfants, on ne fait plus certaines choses. Oui, Tu sais c'est vrai. que l'été fait mal, mais si on t'aime, on doit te le dire. Il y a une heure pour blaguer, une heure pour être sérieuse. Tu comprends? Amen. Amen. Ne donne plus l'argent au doigt pourri, là. Ne lui donne plus. Merci à bisous. Ne donne plus Bonne nuit. ton argent. Bonne nuit. Oh. Il vient, tu serres tes pieds, tu fermes tes fesses. Puis, bon, coucou, regarde comment tu ris, parce que tu sais que tu ne vas pas faire. Je vais faire, je vais faire. Dès qu'il arrive, tu fermes tes fesses, le tout. C'est pas facile. Qu'est-ce C'est pas qui facile. n'est pas facile? Vous fermez les fesses. Tu dis quoi, mon coucou? C'est pas facile de fermer les fesses à un homme qui te baise bien. C'est pas facile. Il baise que comment? Et puis tu dis qu'il baise bien comme ça. Là, il me fait joie, non, du coup. Mais bon. Mais tu as dit que la dernière fois, tu n'as pas joué. Ah, il faut pas écouter ça. C'est quand je fais le chantage, non. Parce que tu veux qu'il refait une deuxième fois encore. Tu as tout compris. Tu es une bandite. Ah. Bon, bref, mes coucous. Donc là, je veux vous dire que mon VIP joue avec mes sentiments. Il fait ce qu'il veut de moi. Il va Tu ici. ne veux pas écouter ma coucou et ça m'énerve. Comment il doit faire ce qu'il veut de toi? Ben Quoi, non, tu es comme ça? Tu es une belle femme. bon, bref, en gros mots, je dors seule en semaine. Je dors seule, les week-ends, je dors seule. Entre les tortures qu'il te fait et l'amour de tes enfants, tu préfères quoi? Les deux. Ma coucou, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux. Toi, il faut qu'on te tape. Avec l'arbre de la paix.
Oui, avec la brune de père, on va te fouetter avec. Je te demande entre l'amour de tes enfants et la tortue qu'il te fait vivre, tu préfères quoi? Tu es incapable de dire l'amour de tes enfants. Tu dis Je suis. les deux quoi? Tu le mets sur la balance avec avec tes enfants. Non, mais tu sais. Il doit te respecter pour que tu le respectes aussi. Oui. Maman, coucou, son bangalais, comment? Qu'est-ce qui te rend Bon, folle comme ça? bon. Ça, quelle taille? Les anglais. Maman. Vois la tête du bébé, non? C'est à peu près ça. Et alors, quand il tchouque un peu, il tchouque un peu, et puis il tchouque un peu, et puis il y a l'eau qui sort. Tu vois l'eau là, de la femme. Du vagin de la femme. Moi aussi, j'ai dit, il m'a fait. Après, tu portes tout ton argent, tu lui donnes. Se connaît. Je ne suis pas la seule. Il y en a plein ici qui sont comme moi. Personne Mais coucou. comme toi. Arrête de te consoler. Il faut être lucide. Ne donne plus ton argent. C'est où ça? Où le vibro, ma soeur? Voilà. Oui, je préfère que tu utilises le vibro. Hé, ma coco, tu as acheté ton vibro, ma soeur, où? Suis un flot de lui. Montre un peu, c'est quelle couleur? Il a tout jeté. Oui, si l'a jeté, ce n'est pas un problème. Mais je préfère le vibro, ma soeur. C'est pas bon. Que tu vas passer ton temps. Maman, quand il a pu, alors ça fait choix, choix, choix. Et il me dit, bé, tu m'aimes. Et J'ai c'est tout dit, ça qui te fait, tu ne peux pas le chasser. non, non, c'est pas ça. Il me caresse les, mais coucou, il me tire les cheveux comme ça. Regarde comment tu fais tes yeux quand tu parles. Mon coco, on t'a déjà perdu. Et puis alors il me dit, chou, regarde-moi dans les yeux. Et puis il me dit, embrasse-moi. Mais je suis perdue, je suis en haut, je suis en bas. Et puis tu vois l'eau sort seule. L'eau en bas là-bas. J'en sais rien, moi. Il me dit, oui, t'as fini de pisser, t'as fini. Moi, j'en sais rien. Ça vient seul. Hey, ma coucou, et tu cries. Oui, je crie. Il me dit. Prend l'oreiller, mais sur ma bouche. Mais coucou, tellement. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très bon. Ça me rappelle ma jeunesse. Ça me refait vivre. Depuis que je fais ça, je suis en forme, mon minou. Je n'ai plus les couches de nuit. Mais coucou, je n'ai plus les couches de nuit. Je n'ai plus les couches de nuit. Parce que tu ne faisais pas. Bien plus Mon coucou, ne va pas faire en sorte que tu perdes tes la raison. Y a l'heure du moment, mais quand regarde comment quand tu parles de lui, tu es déjà en train de pisser en bas là-bas. ça mouille, hein? Ça fait pop 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 pop. Coucou, j'appelle à ta lucidité. J'appelle à ta lucidité. Ne fais plus ça. Il faut Merci. que je te dise que tu as les enfants.
Quand tu as les enfants, ne fais plus le désordre. Tu dis, il te fait penser à ta jeunesse. Quelle jeunesse? Vraiment. Quelle jeunesse? Que tu vas tout ramasser ton argent, donné à un homme. Maman. T'as vu comment il se soigne? Il n'est pas là depuis. Il te fait le malin, non? N'est pas là, il n'est pas venu, il fait le malin. À cause du Bangala. Parce que quand il va venir appuyer là tout à l'heure, calmer tous les nerfs, ça va calmer toute la méchanceté que j'avais envers la République. Et tu vas encore te porter l'argent donné. Tant qu'il y a un don, non. Attends aussi. Tant qu'il y a Et un maintenant, don. si demain, ton fils veut que tu l'achètes un vélo d'une valeur de 1000 euros, tu fais comment? Je n'achète pas. Comment ça, tu n'achètes pas? Mais si c'est le VIP, tu donnes. Non, mais non. Mon baiser, mon pinard. Oh, tu préfères mettre ton baiser à l'aise. Oui. Parce que quand il te touche, tu as la chair de poule. Tu as le corps qui se réveille. Enfin, c'est ça ma priorité. Dis-lui alors de venir. Il ne vient pas ce soir. Pourquoi? Va mettre les mains où tu dors. Pourquoi? Parce que tu dois aussi rester comme ça. Il n'y a pas que le Bangala dans la vie. Il y a le bien-être. Ton bien-être ne tourne pas qu'autour de ça. Le problème qui est là est que le gars est venu réveiller ma libido. Mais ce n'est pas un problème. Tu dois aussi travailler ça psychologiquement. Si D'accord. un homme sait qu'il te tient à cause du sexe, tu veux que tu as frappé à côté de la plaque? C'est vrai, c'est vrai. Il sait que tu n'aimes que ça. Ah oui. Et il te fait souvent le chantage à cause du Bangala, n'est-ce pas? Attrape ma saucisse. Mets-toi à quatre pattes. Miaou. Et tu respectes. Envie. Oh. Mais coucou, quand vous avez envie de ça, vous faites comme ça, non? Oh. Je ne fais pas comme ça. Oh. Est-ce que tu es alors une femme? Coco, c'est quoi sur ton cou comme ça? C'est le suçon, n'est-ce pas? Hein? C'est lui qui a fait ça sur ton cou, n'est-ce pas? Non, ça, j'avais bagarré à la gare avec mes Oui, tu copains. es comme ça, toujours bagarré à la gare du Mans. Et quand tu Oui. bagailles, il ne vient pas te soutenir parce que s'il vient, on va le boxer là-bas. Non, il ne vient pas parce que c'est un monsieur qui est très petit de corps, il est mince, il n'est pas VIP, il a peur, il n'est pas sûr de lui. Tu n'es Tu vois, non? pas sûr de lui, ton gars. Oui. Pourtant, tu dis qu'il a le bazooka. Oui, non, mais il n'est pas sûr de lui, mais le bazooka en bas. En bas, ça donne. Au lit, c'est comme ça. Mais dehors, Ma coucou, à ton âge, s'il y a quel Bangala qui devait encore te surprendre comme ça. connu de Bangala dans ma vie. Mais roulons avec le Bangala. Pas pareil. Mais avant, roulons, tu faisais déjà. Oui, mais avec des papas de 30 ans d'écart. Ben oui, je suis venue en France avec un papa qui avait 30 ans, plus que moi. Si vous voulez, moi au Cameroun, je me suis mariée avec un Français qui avait 33 ans d'âge, plus que moi. Donc, je n'ai pas connu le Bangala. Mais c'était ton choix. Je veux que tu comprennes que ton bonheur ne doit pas tourner uniquement autour du Bangala.
Et après, oui, c'est vrai. Les hommes vont toujours te prendre pour acquise parce qu'ils savent qu'ils n'ont qu'une chose à te donner, le Bangala. Et ma coucou mouille, ma Quand coucou, ton cas est grave. tu bandes là, la fofo. Oui, Qui bande moi si? À cause de quoi? à cause de ça, des filles que tu vois là qui commentent. Non, moi j'ai déjà mis mon bonheur sur autre chose que tout ça. Tu manques. Fais voir. Montre-nous en visio. Montre-nous en Tu veux que je visio. te montre? Montre-nous ton bangala ici. Non, je ne montre pas. J'ai déjà joué 4 fois. Avec qui? Avec mes doigts. Pas bon. Mais c'est très bon. Bon, montre-nous au moins à peu près ce que ça donne, tes pieds, tes mains, tes jambes. Je montre quoi? Tes pieds, tes mains, tes jambes. Comment je jouis? Oui. Non, Non, je ne montre plus. alors les pieds. Non, non, non. Les jambes. Non, 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 non. Bon, bah écoute, on te laisse comme tu veux être, mais sache que S'il y a d'autres personnes qui veulent monter, prends-les. non, il n'y a personne qui veut, hein. Du coup, je vais aller au lit. Je vais aller au lit. Et je suis fatiguée là parce que je me repose un peu. Demain, j'ai. Le matin, j'ai une journée dure. Hein? Bisous. Va te coucher, alors tu dors. Bah Et oui, si je vais aller. le VIP ne vient pas, tu prends ton vibro, ma soeur. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. C'est pour qu'ils ne te tiennent plus au chantage. Quand tu vois d'abord comment ses doigts sont. Voilà, Et moi j'ai c'est le ballon de qui là-bas? de lui. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Donc, coucou, tu prends soin de toi, hein? Merci. Ne l'attends plus. Au lieu de l'attendre, tu verses l'eau glacée là-bas, tu dors. Tu as versé l'eau glacée là-bas, toi? Si c'est trop fort, je verse l'eau glacée. Au lieu de me faire tripoter par n'importe qui et n'importe quoi. Merci beaucoup pour les conseils, d'accord? Tu as intérêt à comprendre. Un homme ne doit pas te faire chier avec son bangala. Tu le jettes. Et ton Bisous, bonne nuit. bonheur ne doit pas tourner autour du plaisir. Il y a Bisous, tellement bonne nuit. de choses qui peuvent te rendre heureuse. Bah. Madame Rolo! Madame Bisous. VIP! Je vais appeler ton VIP. Il arrive tout de suite. Bonjour, numéro. J'ai son numéro. Tu as compris, non? D'accord. Non, il faut aller bien te laver. Tu prends bien soin de toi. Tu l'attends. S'il vient, c'est bien. S'il ne vient pas, tant mieux. Tu ne dois pas être malheureuse parce qu'il n'est pas venu. Ton bonheur ne tourne pas autour de lui. Tu as compris? Et toi, ton bonheur tourne autour de qui? Autour de mes enfants et de ma famille. Entre-temps, tu es en couple. Si je suis en couple, c'est bien, mais si je ne le suis pas, c'est pas grave, je ne vais pas mourir pour ça. Pour l'instant, tu es en couple. Pour l'instant, je suis en couple. D'accord. Mais s'il arrivait que je ne suis pas en couple, je ne vais pas mettre mon bonheur sur le Bangala. Amen. Il y a d'autres choses sur lesquelles je vais me concentrer. Mais tout pour toi, c'est le bazooka, le mboma. Alors mon gars, tu dis qu'il vient dormir avec moi maintenant. Dormir encore avec toi pour faire Ah, quoi? aïe, 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 moi, il doit pas dormir, il n'est pas là. Oh, t'es de moi. Quand s'il n'est pas là, tu ne dors pas. Pas bien, pas bien.
Dans tout ce que je parlais je Appelle-le. ton problème. Si tu veux, tu fais comme tu veux. Quand on conseille quelqu'un, on laisse à la personne. À toi de prendre le bon ou le mauvais. Donc, j'ai Prends-le. prêché l'évangile tout de suite. Tu dis qu'on appelle le VIP. Il vient dormir avec toi. Le numéro, tu l'appelles. Ça ne vaut pas la peine. Tu fais comme tu veux. Il ne va pas venir, ni aujourd'hui, ni demain. Je vais voir si tu vas mourir. Montre-nous les quotas. Jamais. Appelle-le, s'il te plaît. Il n'appelle pas. Il ne vient pas. Tu vas dormir seul aujourd'hui. Va te laver, tu te parfumes, tu profites de ton lit seul. Tu vas voir que la vie est belle. Jamais un lit seul n'est pas bon. Dormir seul, c'est pas bien. Appelle au Ma mariage. coucou, ton bonheur doit d'abord venir de toi. Autrui doit être un bénéfice. Autrui Appelle mon gars. ne doit pas être le centre de ton bonheur. Tu ne comprends Appelle-le alors. pas quoi? Appelle mon gars. Il ne vient pas. Si tu veux, ne dors pas, c'est ton problème. Pendant que tu te tues à ne pas dormir, il est dans les bras d'une autre. C'est en ce moment que tu comprends que ça ne vaut pas la peine de se priver de sommeil pour quelqu'un. Allez, s'il te Pour qui plaît. tu ne représentais rien. Si tu représentais beaucoup, il devait être auprès de toi, contre vents et marées. Donc, va te laver et tu dors, madame. Moi, je suis déjà lavée. Je ne suis pas sale. Je me suis lavée. Donc, J'étais parfume ton lit et tu dors et tu profites de ta soirée. sale. Comment Le tu dis encore que seul? numéro. Prends le Oh, numéro. coucou, tu finis. Tout pour toi, on parle, tu dis encore seul. Prends le numéro du gars. Si tu ne prends pas. Si tu veux continuer à te faire trimballer et ramasser tout ton argent et donner, c'est ton problème. Bisous. Moi, je ne suis plus là. Je t'ai déjà dit ce que j'avais à dire, je t'ai laissé avec. On a rigolé, mais quand l'heure de la rigolade finit, on donne les conseils, j'ai donné les conseils. Mais si tu ne veux pas écouter, au revoir, madame. Bye. Bisous, bisous, mes coucous. Bonne nuit, je vais aller au lit, je vais aller au lit. Sinon, il a raison, il a raison, il a raison, je vais aller au lit, je vais aller au lit. Je coupe mon direct, je vous aime. J'aime mes followers, j'aime vos conseils, j'écoute vos conseils, mais les conseils des filles. Et des hommes qui sont cachés, on n'a pas envie d'écouter. Par contre, eux, j'écoute, hein. Je coupe mon direct. À bientôt. À bientôt.